Bonjour à tous. Bonsoir tout le monde. Ah merde, déjà ça commence déjà mal quoi. Ouais, totalement. Tu dis bonjour alors que. Oh là là. Bon, il est quand même 7h, bientôt bon. 8h. On va partir du principe que vous nous regardez la journée. Voilà, comme ça, moi je vous dis bonsoir ceux qui vous regardent le soir et toi tu dis bonjour pour ceux qui vous regardent dans la journée. Voilà, exactement. Problème réglé. Bonne année. Ouais, bonne à année tous. À tout le monde. On espère que vous avez Voilà. passé de bonnes fêtes. Et tout le blabla. Voilà, exactement. Que vous êtes en état pour Eva nous regarder. Ouais, parce que hein, la situation en ce moment. Voilà. Parce que on pense que vous nous regardez surtout en France. Voilà. Bah, la situation là-bas, c'est pas ouf avec la Covid. Voilà, exactement, oui. Et puis, qu'est-ce que je. Bah, écoutez, on a pris une petite des petites vacances, là, deux semaines, pas d'épisode. Mais on est de retour, vous inquiétez pas. On vous a sûrement manqué, j'espère. C'est un peu présomptueux. Ouais, mais bon. De quoi on va parler ce soir, Spiewer? Et bah écoute, d'un sujet qui me hante, mais qui me fascine en même temps, à cause du tabletop. l'Astra Militarum. Oh là là, je me réjouis d'avance. Voilà. Ça me chauffe grave. Bon, alors l'Astra Militarum, vous vous en doutez, c'est bien trop grand pour qu'on passe en détail. Pour vous dire, c'est la première force armée de l'Imperium et l'armée la plus puissante de la galaxie, du fait de son grand nombre. Du coup, aller en détail, etc., ça va nous poser un petit problème. Donc, ils sont des milliards répartis dans des dizaines de milliers de régiments. Donc vous pensez bien qu'à travers ouais. des millions de mondes... Ça en fait, ouais. Ouais, 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 et bah, c'était une statistique que je ressors souvent durant les épisodes, c'est 7 milliards de nouvelles recrues chaque jour. Non, 7 milliards, 9 milliards oh oui, de nouvelles même. Recrues chaque jour. Tu t'en rends compte, genre, l'équivalent plus de notre Terre actuelle, juste en un jour. Ah ouais, ouais, c'est en fait de la chair à pâté. Bah ouais, un bah, canard. Voilà. Bah, c'est que ça, hein, d'ailleurs, l'Astra Militarum. Donc, ouais, vous pensez bien qu'à travers des millions de mondes, un régiment à un autre est complètement différent par rapport à leur culture et leur technologie, leur connaissance martiale. Par exemple, je pense tout de suite aux Katachan, qui eux, physiquement, sont plus puissants qu'un humain normal, mais ils n'ont pas la même technologie qu'un humain sur un autre monde. Oui. Non, Aslo. Bah, les Katachan, ils sont un peu, on va dire... C'est des Rambo. Voilà, c'est des Rambo. Ils sont un peu en mode Vietnam. Voilà. Bah ouais, bah comme Rambo. Voilà, exactement. Puis niveau technologique, quoi, ils sont vraiment en retard. Comparé aux autres. Oui. D'ailleurs, ils vivent dans une jungle, les Katachan. Exactement, ils vivent sur un monde jungle, un monde mort. Pardon, pas un monde mort, mais... Enfin, c'est les Death World, monde de la mort plutôt. C'est des ouais. mondes, en fait, où genre c'est tellement inhabitable ouais. que c'est vraiment pas conseillé d'habiter là-bas, mais ils habitent quand même là-bas. Voilà, c'est ouais, les gros voilà. chats. Voilà, donc vous voyez, selon le monde où vous recrutez, il y a plusieurs paramètres qui jouent un rôle. Mais du coup, les Katachan, eux, ils ont un rôle spécifique dans l'Astra Militarum parce que du fait de leur condition physique, entre guillemets, et aussi bah, leur condition technologique qui n'est pas la même. Mais malgré tout cela, les régiments de l'Astra Militarum sont capables de s'adapter sur tous les terrains et opérations qu'on peut trouver dans le 40e millénaire. 41e millénaire, pardon. Ouais. Bah, aujourd'hui, on les connaît surtout sous le nom de Garde Impériale, mais ça, c'est que depuis les résidus russes. Avant, durant la Grande Croisade, on les appelait l'Armée Impériale. Et justement, on va parler un peu de la Grande Croisade, enfin plutôt de... Puisque bon, on a déjà fait un épisode de plus de... Combien d'heures déjà? Plus de 2 heures, non? En tout, on a 4 heures. Ouais, mais après, il y avait les résidents russes entre deux. Oui, alors donc, juste de Grande Croisade, ouais, 2 heures, ouais. Ouais, donc de bonnes heures. Qui, je pense, est un des sujets qui me fascine le plus dans le 40K, les Grandes Croisades. Vraiment, c'est juste des tchads qui détruisent tout. Qui se battent contre d'autres tchads. Voilà. Ouais. Bref. Bon, du coup, on va pas parler de la Grande Croisade, on va plutôt parler du rôle de l'armée impériale, comme elle s'appelait à l'époque, durant cette Grande Croisade. Bah, justement, même si la force principale de l'Empereur était ses primarques et ses légions,
pour tout conquérir, tout libérer ou réunir sous la bannière de l'Imperium. Ou écraser. Ouais, ouais, écraser aussi, mais je parlais plutôt des mondes qu'il allait occuper, tu vois. Oui. Bah, il fallait bien que quelqu'un surveille ces mondes. Parce que bon, c'était le niveau, c'était au niveau culturel et tout, c'était le bordel sur les mondes. Vous doutez bien, genre ils pouvaient pas appliquer une administration, comment dire, stable sur chaque monde libéré ou quoi. Du coup, c'était vraiment le bordel. Et du coup, c'est là qu'est née l'armée impériale. Elle a servi d'abord à protéger les mondes d'attaque extraterrestre, mais surtout à contenir les rébellions. Qui avait sur ces 10 mondes libérés. Est-ce que tu connais peut-être un livre qui peut nous parler de ça plus en détail ou vraiment pas? Alors, honnêtement, je conseille la série de livres L'Hérésie d'Horus, mais comme il y en a 52. enfin, non. 57 maintenant. Faut être précis. Ils en ont rajouté. Oui, bah en fait ils comptent le siège de Terra dedans, du coup on a 57,5 parce qu'ils ont fait un demi-livre, enfin deux demi-livres. Ouais mais du coup ça en fait un. Oui, enfin pour un demi-livre c'est un livre qui fait 400 pages au lieu de 600 alors... Ah, ok. voilà. Ah. du coup oui, on est à 57 livres et demi. je vais pas forcément pouvoir vous en conseiller un en particulier mais... Si vous cherchez dans les livres de la Grande Croisade, l'armée impériale est souvent là. À part si vous prenez des livres qui sont fixés seulement sur une légion ou un primarque, mais ceux qui sont plus généraux, ça ira très bien. Ouais, je pense qu'on peut trouver facilement. Après, oui, voilà. C'est sûr que si tu lis un livre sur un primarque, c'est voilà. Pas vraiment ce qui va t'aider pour tes recherches sur l'armée impériale. Voilà, exactement. Ah, et puis sinon, vous prenez des livres. Genre des éléments, genre des grandes guerres comme ça, vous trouverez assez facilement. Voilà. Bah, le siège de Terra, par exemple. Oui, le siège de Terra, ils sont extrêmement représentés. Beaucoup trop, même, je trouve. trop. ils sont trop représentés, je trouve, honnêtement. Ah, alors, on a une question oui. Dans le chat. Oui. alors. Est-ce que je peux la lire ou tu veux la lire? Ouais, vas-y. Est-ce qu'il y a un livre sur les plus grands chats de l'univers, les plus grands chats de l'univers de Warhammer, les orques? Point d'interrogation. je crois qu'enfin, il y a pas mal de livres où c'est vraiment genre orque vs Imperium, mais je crois pas qu'il y a de livres. Enfin, il doit y en avoir 2-3, mais pas plus. Seulement centré sur les orques, non. Ah, tu sais ce que j'ai appris récemment d'ailleurs. Je fais une petite parenthèse et après on se recentrera sur le sujet, mais j'ai appris que dans l'orque. Tu sais qu'il y a deux dieux orques. Oui, Gork et que voilà, et qui tiennent leur puissance du fait qu'ils ont beaucoup d'adorateurs. Oui. Et ben, à un moment, bon, je pense que tu sais déjà cette anecdote, mais à un moment, ils sont allés défoncer les dieux du chaos et ils sont revenus. Juste parce qu'ils en avaient envie. J'adore. Bon, tu savais ça ou pas? J'avais jamais entendu. C'est tellement incroyable. Genre, ouais, j'avais appris ça quand j'avais fait ma première bataille à OS, d'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard dans l'épisode. Ouais. Mais voilà, on m'avait parlé de ça. Et c'était vraiment un truc de Chad, ouais, exactement. C'est tellement drôle. vraiment un truc orc, quoi, à faire. Bah ouais, genre, ils se sont dit, bon, bah, on va défoncer des dieux du chaos. Ils les ont rétamés et ils sont revenus. enfin, bref. Bon, je vais. Maintenant, on ferme la parenthèse et on revient sur le sujet. Voilà. Alors, j'avais parlé que, ouais, ils restaient sur les mondes pour contenir les rébellions et les attaques extraterrestres, des sales xénos, quoi. Mais plus tard, l'Empereur les envoyait hors monde pour des opérations de conquête. Tout simplement, voilà. Alors, bon, vous avez déjà sûrement entendu parler des Tempestus Sion ou Sions, je sais pas. Ou Sion, Sions. Ouais, voilà, Sion. Ou des abhumains comme les Ogrins ou les Bulgrins. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous parler des Sions? Alors oui, pas de souci. Les Sions, c'est des troupes d'élite de l'Astra Militarum. Et en fait, ils sont formés à la Schola Progenium, comme les Inquisiteurs d'ailleurs.
Et c'est des soldats d'élite qui restent tout le temps depuis petit, depuis qu'ils ont été formés à Scola Progenium, ils restent tout le temps dans la même escouade. Et genre, c'est un peu des Space Marines. Je vais pas dire de Wish, mais ouais. Voilà. En gros, tu les appelles eux quand t'as pas de Space Marines à disposition. Ou quand les Space Marines ne veulent pas se déplacer. En vrai, ils sont quand même assez puissants. Et c'est eux la garde d'honneur des seigneurs commandeurs. Je crois que c'est ça, seigneur commandeur des généraux, tout ça. Tout ok, ça. ok. Voilà. Très rapidement. Bon. Ouais, c'est et c'est aussi les forces inquisitoriales aussi. Je l'avais parlé dans mon épisode sur l'Inquisition, c'est eux qu'on envoie avec les inquisiteurs cramer des ouais. trucs. Ouais, voilà. Et faire quelques génocides aussi, parce que c'est... Bah voilà, bah après quand t'as un exterminatus, le génocide oui, est vite fait. Bon. Voilà. Donc voilà. Alors oui, et les Ogreens, qui sont des... Est-ce que t'as une photo d'un Ogreens et d'un Bulgreens? Je vais chercher une photo d'un Ogreens. Alors, en fait c'est la même chose, je crois, c'est juste leur équipement qui change. Ouais. Donc ouais, tu peux en mettre un des deux, comme tu veux. Ouais. Alors les Ogreens, pour petit point tabletop, ils se battent à distance et les Ogreens ils se battent au corps à corps. Et vous allez très vite comprendre pourquoi... ils sont assez puissants dans une armée. Et alors eux, ils vivent, enfin ils ont vécu, enfin non, ils viennent d'une planète où la gravité est très forte et c'est très dur. Du coup, bah voilà, c'est des colosses sur pattes. Donc voilà, c'est un peu des... Enfin, on les appelle les AB humains, AB et humains, tout simplement. Parce qu'ils sont inférieurs, ça. Un peu, ouais. Alors, il y a aussi les... Ah, j'ai oublié leur nom, mais je sais qu'il y a des figurines, c'est, je crois que c'est les Ratling. Ah oui, les Ratling, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Bah voilà, c'est des petits nains, genre c'est des hobbits, ils ont des pieds peluches, quoi. Je vais juste vérifier en deux spies. Mais je crois que c'est ça. Alors, ah bah d'ailleurs, si vous la regardez, les figurines, il y a tellement de figurines Katachan, je comprends pas pourquoi. C'est parce qu'on aime bien les gens. Alors, ouais, excuse-moi. C'est parce qu'on aime bien les gens torse nu musclés. C'est pour ça qu'il y en a autant. C'est ouais, c'est ça. C'est ça, je pense. Bon, alors, on a parlé des Ogreens, Tempestus Science, enfin Sion, pardon, des Ratling un peu aussi. Mm. Mais bon, on peut pas parler d'Astra Militarum sans parler de commissaire, tout simplement. Donc, bon, faut savoir que dans les régiments, normalement, c'est le commandant, et seulement le commandant, qui donne des ordres. Vraiment, il n'y a qu'un mec sur une escouade de 10 et tout qui donne des ordres. Mais bon, ça peut marcher pour plein de régiments ou quoi. Mais, je l'avais dit plus tôt, pour certains régiments, il y a une intégrité culturelle très forte. Et parfois, cette intégrité culturelle fait que il peut avoir des mutineries ou quoi. Et c'est pour ça que l'Imperium a créé les commissaires, a commencé à former des commissaires qui sont chargés de maintenir autant le moral que la discipline. Est-ce que peut-être tu veux nous rajouter quelque chose peut-être? Oui, comme... oh, ouais, oui je peux rajouter d'autres trucs. Les commissaires, ils ont été créés lors du siège de Terra sous le nom d'Officio Perfectus. Mm-hmm. Je me souviens d'ailleurs qu'ils portent toujours ce nom-là. Et ils ont été créés par Malkador. Parce que Malkador, évidemment, il a toujours tout créé. Ouais, c'est ça. Parce que les soldats, ils désertaient. Ce qui se chiait dessus en voyant... quoi, 6 légions de Space Marines leur arrivaient dessus. Voilà. Voilà. Bah après, c'est logique. Bon, après, leur morale, c'est... Tu fuis parce que t'as peur d'être tué, ben je vais te buter. Alors... Voilà. Bon, après, ils sont quand même badass, hein. Vraiment ils ont peur de rien et tout. Vraiment ils sont giga badass les commissaires. Après c'est des mecs qui ont fait la Scola Progenium. Du coup et puis ils ont fait quasi le même entraînement que les Tempestus Science. Juste qu'eux ils ont été choisis pour leur leadership. Pour leur habilité à donner des ordres. Du coup, ouais, ils savent se battre bien mieux que je pense. Qu'à la Garde Impériale. Voilà, ils savent bien mieux se battre que les soldats et les vétérans. Ouais, bon voilà. Des Big Chad. Oui, d'ailleurs, commissaire Caiaphas Kane,
Et Gaunt, ils ont les deux tué des Space Marines en 1v1. Ou en 1v2 d'ailleurs. Enfin, En des Space V4. Marines KO. Oui. Attends, en 1v4? Oui, Genre comment? Non. Gaunt, il a fait un V4. Et que ça. Vraiment? Oui. Mais attends, je vais voir s'il y a une figurine sur lui, je crois que ouais. Oui, il y en a une, il y en a une. C'est Gaunt après. Mais attends, 1v4? Mais mec, mais c'est. Ah, mais oui, les fantômes de Gaunt, ils ont Ouais. leur propre livre. Oui. Ouais, Oui, le pire, c'est que j'ai leur unité, je suis con. Alors, oui. je n'ai toujours pas peur parce que j'ai peur de niquer les figurines parce qu'elles sont magnifiques. Vraiment. Voilà. Bon, alors, les commissaires, ben c'est la. Ils représentent l'autorité impériale. Du coup, c'était les premiers assassinés lors des mutineries perpétrées en faveur de Russes. Ah oui, Voilà, c'était juste une petite parenthèse comme ça. Pour parler. voilà, bah ça c'est normal, ça c'est logique, parce que c'est ceux qui préfèrent quelque chose contre, quoi. Voilà. En plus, bon, c'est un peu des gros malades mentaux, les Ouais. commissaires. Ils sont vraiment bien fanatiques et tout. Et c'est ceux qui sont en première ligne. Donc, bon. Ouais. S'attaquer au commissaire, c'est la meilleure façon de faire une hérésie, quoi. Vous sentez la rage que j'ai envers le chaos? Je sens, En ouais. bref. Bon, maintenant je vais parler un peu du Munitorum en dernier point, parce que je pense que c'est quand même important et que ça revient un peu sur le premier thème qu'on avait parlé sur le fait que soit beaucoup trop. Alors, qu'est-ce que le Munitorum? Alors, c'est une administration par secteur, parce que centraliser. enfin, centraliser l'administration dans l'Impérium. Impossible quasi. Ouais, voilà, c'est genre qu'il y a des millions de monde. Est-ce que tu sais un peu combien il y a de monde ou pas? Genre une grande fourchette, hein. En grande fourchette, Ouais. je dirais en milliards à peu près. Plus peut-être. Voilà, 1 milliard de monde. Genre, c'est. Oh, mec, c'est. Ouais, je pensais pas qu'il y en aurait autant. Ouais, Mais ouais. non. Après, c'est une grande fourchette, hein. Mais Oui. voilà, vous vous rendez compte, hein, centraliser tout ça sur. Que sur Terra. Je pense que. Bah ouais, Gulliman, il est à Terra. Ouais. Ouais, bah voilà. Il est aussi en ultramar aussi. Ouais, bah il fait des voyages là. Bah, après, Voilà. la capitale de l'Imperium, c'est Terra ou Ultramar, vu que C'est Terra, Gulliman. c'est Terra. C'est Terra, ok. Ça reste Terra, ça reste Oui. Terra. Bah voilà, vous savez bien que centraliser l'administration, ça est compliqué. Et donc oui, voilà, le Minitorum, c'est une administration par secteur. Alors, c'est le Minitorum qui va prendre les décisions sur le choix de déploiement des troupes, etc. Donc ils vont prendre eux-mêmes le choix. Bon, ils peuvent quand même recevoir des ordres. Terra, etc. Donc voilà, moi je pense qu'on pourrait passer côté même ou Oh. côté tabletop. On peut Voilà. commencer par le côté tabletop. On se garde les Voilà. mêmes pour le plaisir. Voilà. T'inquiète, t'inquiète. Bah alors, bon, parce que vous le savez maintenant à travers les épisodes, j'ai une armée Astra Militarum. Vous savez aussi que je regrette d'avoir une armée Astra Militarum, parce que tout simplement, c'est très compliqué. Genre, comment vous expliquer? Sur l'épisode des Custodes, on en avait un peu parlé. Oui, Mais la tout à fait. force de l'Astra Militarum, c'est leur nombre et leur char. Vraiment, tout simplement, genre. Un petit garde impérial, ça fait zéro dégâts, tout simplement. Bon, maintenant, ils ont changé un petit peu. Et les nouveaux gardes impériaux, les Cadian Shock Troopers. Non, ça c'est les anciens, je crois. Enfin bref. Des nouveaux, il peut avoir des mecs avec des fusils laser ou des fusils plasma. Donc, je les ai pas encore testés. Peut-être que ça a été nerf, peut-être qu'il y a eu des trucs qui ont changé. Mais en tout cas, on peut leur mettre des fusils plasma ou quoi. Donc bon, Ah là, bon, c'est déjà. ouais, c'est un peu C'est mieux. déjà beaucoup plus puissant, hein. Mais voilà, mais contre c'est un fusil laser ou. Tu loupes tous tes tirs quasiment ou quoi,
Ou genre, je me rappelle de ma première partie, il y a un Space Marine, un seul, qui a chargé. Il a chargé dans une unité de 10. Il a tué 3 mecs. Non, il a. Je sais plus ce qu'il avait fait. Non, bon, il avait buté des mecs. Et plus de la moitié avait fui. Hein, vraiment, genre, juste une charge d'un mec et après ses potes qui le soutenaient derrière, ça avait déjà foutu la merde. Mais bon, tout ça, très simplement, l'Astra Militarum, ça va être les man rush qui sont derrière, qui vont envoyer le pâté. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu des Lehman Russ? Parce que c'est... Alors, le nom, il vient du Primark, c'est ça? Alors, on peut penser ça, ça peut porter à confusion, mais non, en fait. Le nom Lehman Russ vient d'un technoprêtre qui s'appelait Lehman Russ, du coup. En fait, le Lehman Russ, c'est un STC. Je vais expliquer un peu dans mon épisode sur le Mechanicus, mais en gros, c'est des fragments de technologie très anciennes. Qui date d'avant l'Imperium. Et en gros, le Lehman Russ, c'est genre... Je crois que c'était un truc de minage. Aussi. Comment ça, genre... Genre, c'est un truc pour miner. un truc pour se déplacer dans les mines. Je m'en souviens bien. Je crois que c'était ça. Du coup, vraiment un truc assez mauvais, quoi. Puis ils ont fait un tank, parce que pour eux, c'était incroyable. Voilà. Ah, donc avant l'Imperium, c'était un truc de merde. Et ouais. Après l'Imperium, ils se sont dit « Oh, mais c'est trop bien !» Enfin, après l'Imperium, pendant l'Imperium, ils se sont dit « Oh, c'est trop bien, du coup, on va en faire des tanks !» Oui, exactement. Ah, et pour les personnes... Oui. Et pour les personnes qui me diraient que c'est Lehman Russ, parce que le Primark est Lehman Russ, sachez que je vous invite à lire les derniers livres de l'hérésie d'Horus, où on parle de ça, parce qu'ils doivent appeler le scientifique Lehman Russ, justement. Enfin, Russ. Le scientifique... Il s'appelle Lehman ou il s'appelle Russ ou il s'appelle Lehman Russ? Il s'appelle Russ, mais ils l'ont appelé Lehman Russ. Ok, ok. Parce que, voilà. Enfin, qui il? Enfin, je veux dire... L'empereur. Ok, ah, c'est l'empereur ouais. Lui-même. Oh putain. Ouais. Oui. Oui. Mais après, faut dénoter parce que, après, le Lehman Russ, lui, il a fait qu'une seule version du Lehman Russ. Il y a une autre version du Lehman Russ qu'utilisent les légions Space Marines, qui eux par contre ont été découverts par la 6ème légion, les Space Wolves, la légion de Lehman Russ, du coup. Ok, voilà. Et c'est pour ça que... Ouais, en fait... Voilà, alors la version qu'utilise Astra Militarum a été découverte par le mec qui s'appelait Russ, et okay. La version de la Startess a été découverte par la 6ème légion, voilà. Mais il y avait le Primark dans cette 6ème légion, tu sais ou pas? Oui. Oui. Ok. Bah du coup, tout coïncide, du coup. Oui. Oui, ça m'a retourné le cerveau quand j'ai appris ça, j'étais en mode... Ah, d'accord, le lore s'attaque lui-même. C'est bien ça. Bah écoute, c'est super. Côté de tabletop, alors qu'est-ce que je disais? Ah oui, ouais, donc la puissance de l'Astra Militarum, c'est vraiment leur tank. Vraiment, c'est ce qui va faire des dégâts. Et en fait, les gardes impériaux, ils sont juste là pour faire bouclier humain et prendre des objectifs. C'est vraiment... Bon, après, il y a d'autres véhicules qui peuvent prendre des objectifs et qui font des dégâts. Par exemple, la Sentinelle, qui a pas mal de mouvements. Je sais plus combien de pouces, mais ça doit tourner un petit peu plus de 10 pouces. Mm-hmm. Donc voilà, ça peut quand même se balader sur une table pour aller prendre des objectifs. Et en plus, bon, la mienne a un canon laser dessus. Ah oui, on peut mettre aussi un missile dessus qui fait quand même pas mal de dégâts. Et au corps à corps, ça peut faire mal parce que t'as une tronçonneuse. Ouais. Donc voilà, c'est... D'ailleurs, ma première partie... Non, alors ça c'était ma deuxième partie avec Astra Militarum. C'était une partie à 500 points. Je regrette d'avoir fait une partie à 500 points. C'était contre Nurgle. Comment on l'appelle l'armée de Nurgle déjà? La Death Guard. La Death Guard, voilà. Et le Boog, il avait quelques Space Marines du chaos. Que j'arrive pas. J'en ai tué un, je pense. Vraiment, sinon j'arrivais pas à faire de dégâts. Mais ma sentinelle est restée en vie jusqu'à la fin et a réussi à buter Typhus au corps à corps. Ah oui, ouais. Donc voilà, c'est le seul. Donc
En soi, lui, il a réussi à buter une armée de 500 points d'Astra Militarum. Mais moi, j'ai réussi à buter Typhus et un Space Marine du Chaos. Du coup, ça vaut. Worse. pour l'Imperium, c'est worse, de ouf. Ouais. Donc voilà, donc vous avez bien compris que la force de Astra Militarum, c'est les parties à 2000 points. Sinon, ouais, vous allez vous faire éclater, vraiment. Ben ouais, genre, les seuls trucs qui peuvent faire des dégâts, ce sera des véhicules. Mais si on vient au corps à corps de ces véhicules, vous pouvez plus tirer, en tout cas à pleine puissance. Enfin non, vous pouvez plus tirer, tout simplement, genre, vous êtes obligé de... Puisque ça fait longtemps que j'ai plus fait partie 40k, du coup, j'ai un peu perdu, mais... Mais du ouais, coup, c'est un mec qui se dit, vas-y, je vais foncer avec mon Space Marine sur le Lehman Ross, puis j'ai tourné autour. Bah, en fait, t'es obligé de faire un désengagement. Si, alors, si y a ça, genre, y a rien devant le Lehman Ross, et qu'il fait une charge et qu'elle marche, bah, le Lehman Ross, il pourra pas tirer, du coup, il sera déjà défoncé. Du coup, t'es fucked. Bah, du coup, en fait, t'es obligé de faire un désengagement. Ouais. Mais un désengagement, ça marche comme un sprint. Et en gros, tu pourras rien faire. Tu peux, en fait, peux ni attaquer, ni faire de mouvement. En fait, tu peux rien faire quand tu fais un désengagement. Ah, yes. C'est comme un sprint. Ouais. Donc, je vois. Voilà. C'est pour ça que il y a les gardes impériaux qui font mur, en fait, tout simplement. Voilà. Parce que du coup, s'il y a une unité de T-Boog devant Lehman Ross, les Space Marines, ils vont d'abord devoir focus. Enfin, ils pourront pas charger sur les Manos. Ils vont d'abord devoir focus à la garde impériale. Et après... foncer sur les Manos. Donc voilà, c'est pour ça que on peut pas faire des armées que avec des Manos. D'ailleurs, j'avais vu un meme. C'était un mec qui voulait jouer à Kill Team. Ouais. Mais je crois que je te l'avais envoyé en plus. Ou tu me l'avais envoyé, je sais plus. Mais il voulait pas acheter les nouvelles unités qu'il y avait. Parce que Kill Team, en vrai, c'est... C'est un truc qu'on voulait tous, la Descorp. Ouais. Je pense qu'on la voulait tous. Oui, mais pas sous cette forme. Voilà. Et voilà, là, ils nous vendent un truc où t'es obligé d'acheter un nouveau livre de règles, plein de des cartes et tout, une table de jeu et tout. Enfin bref, c'est de la merde, tu vois. Je trouve que c'est de la merde, en tout cas. Et pourtant, Dieu sait que j'adore la Descorp. Bah, d'ailleurs, mon avatar le montre. Et du coup, le mec il a dit, ben je m'en fous, si c'est des petites parties, je prendrai un seul Lehman Ross et je jouerai avec. Et du coup, il y avait Big Chat qui disait, je veux que jouer avec un Lehman Ross. Et après, le Virgin Guy qui disait, non, t'as pas le droit, tu dois acheter tout ce que Games Workshop a fait, c'est pas bien et tout, je sais pas quoi. Enfin bref, voilà. Du coup, c'est un peu le même principe là, vous êtes quand même. Si vous voulez gagner une partie, vous êtes obligé de d'avoir quelques véhicules et de la garde impériale. Alors après, on pourrait peut-être parler du Baneblade. Alors est-ce que le Baneblade. Peux raconter un peu quelques trucs sur le Baneblade que tu le Baneblade, c'est genre un meme, mais incroyable quoi. Le Baneblade, c'est... Comment ne pas rigoler quoi. Alors, je prends juste une image d'un Baneblade juste pour vous montrer à peu près ce que c'est. Juste pour que vous vous rendiez compte. Bon, déjà, quand on le pose sur une table, ça fait ça fait quelque chose. Hein. Genre, c'est beaucoup plus gros qu'un Lehman Russ qui... Déjà, un Lehman Russ fait, je dirais, 4 ou 5 unités de garde impériale. Non, pas unités, mais personnages de garde impériale de long. Ouais. Donc, c'est quand même plutôt grand comparé à un garde impériale. Mais un Baneblade, oula, c'est 10 fois plus grand... Enfin, pas qu'un Lehman Russ, hein. Je pense que c'est 2 ou 3 fois plus grand qu'un Lehman Russ. Ouais. Ça fait tâche. Hein. Alors. Bon. voilà. Il bon. S'est dit, il pose ses couilles sur la table. Alors, ça, c'est une version du Baneblade, parce que je vais vite regarder sur. Il y a le Shadow Sword, il y en a plusieurs de versions de Baneblade. Voilà, ça, c'est le Baneblade, mais par exemple, il y a le Doomhammer, le Storm Sword, le Banehammer et tout. Donc, il y a combien de versions de Baneblade? 1, 2, 3, 4, 5. 7 versions de Baneblade avec des armes différentes et tout. Oui. Donc, bon, vous imaginez bien que ça, vous posez sur la table, vous pouvez tirer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fois avec. Minimum. Je pense. Ouais. Donc, vraiment 11 fois avec des canons laser,
3 canons laser, des 6 bolteurs lourds. J'ai oublié ce que c'était. Est-ce que tu sais ce que c'est le canon le gros canon en haut et le petit canon en bas? J'ai oublié le nom, malheureusement. Ça m'échappe complètement. Mes excuses. Peut-être que je l'ai le nom. C'est un canon coaxial. Canon démolisher en fait. Ah oui, celui qui est en dessous c'est le démolisher. Et celui qui est au-dessus, c'est le canon Blade Blade. Voilà. Bon, voilà. Hein. Vous posez ça sur la table. C'est une très très grosse force de frappe. Ouais. Mais c'est clair, je vais peut-être expliquer un peu en gros vite fait. Le Bane Blade, ça a été découvert par les technoprêtres, ça vient aussi d'un SCS, schéma de construction standardisé qui date d'avant l'Imperium. Et en gros, ça c'était un transport de troupes de base. Mmh. Ouais, j'allais y venir, mais ouais, en plus tu peux transporter des troupes. Oui, ce truc là, ce Bane Blade, vous voyez, un titan, ça fait un 1v1 contre un titan à Bane Blade. Ah oui, mais largement. Hein. Et puis, vraiment, c'est une blague les Bane Blade, parce que genre, en tout, il y a 10 personnes qui sont dedans, et genre, ils ont la place pour encore mettre une vingtaine, tu vois, tellement c'est grand. Et chaque Bane Blade est construit sur un monde forge, mais il n'y en a que quelques-uns qui peuvent. Et genre, chaque Bane Blade reçoit un nom, genre, ils sont bénis par les technoprêtes pendant genre un mois. Tout fonctionne à la perfection. Après, ils ont une grosse plaque où ils écrivent dedans le nom de chacun de leurs capitaines. Parce que du coup, c'est Bane Blade, donc genre 1000 ans. Hein. Facile. Donc, pour les plus vieux, ils ont 10 000 ans. Tu vois. Mais attends, comment ça 1000 ans? Ah ouais, parce que genre tu les mets pas souvent sur le champ de bataille. Ouais. Ça ouais. Okay. Puis, du coup, ils prennent la poussière. Non, mais en fait, ils combattent, mais genre ils sont tellement indestructibles. Ah, ok. Genre. De blindage. C'est un truc, le blindage. D'ailleurs, il y a deux livres pas mal qui ont été écrits. Un, c'est le premier de la série, c'est Bane Blade. Le second, c'est Shadow Sword. Je vous conseille de lire, je les ai lus, c'est incroyable. Ça raconte l'histoire d'un équipage de Bane Blade. Et ils expliquent un peu, et genre, ils disent qu'ils se prennent genre 11, 12 obus par des chars ennemis, et ils sentent rien du tout. Non, le truc, c'est à peine s'il bouge, quoi. Et il y a même plusieurs moments où, genre, il roule tout simplement sur l'autre charge pour l'écraser. Il s'abaisse même pas à lui tirer dessus, tu vois. Ouais, bah, ce serait gaspiller. Ouais. Ce serait gaspiller des munitions. Exactement. Alors, ouais. Je veux voir des orques dans cet engin. Alors, en vrai, l'or accurate, c'est possible. C'est clairement possible. Non, mais no joke, dans le livre Bane Blade, c'est ce qu'ils font. Les orques prennent un Bane Blade et l'utilisent. Mais non. Oui, et c'est ultra drôle. Et genre c'est indestructible et genre tu sais, il doit se mettre genre à deux Bane Blade pour arriver à l'arrêter, à deux Shadow Sword. Based. Ah ouais, mais mec, mais en plus ouais tu sais genre Voilà, du coup vraiment la puissance du Bane Blade quoi, c'est un truc. Ils s'en battent les couilles. Ouais. Oh, et ça, est-ce que tu peux me donner le nom du livre, s'il te plaît? Bane Blade et Shadow Sword. Voilà. Ok, bah alors eux, ce sera. Je vais peut-être les commencer, à voir. Ouais. Bon, alors, du coup, on revient au niveau de tabletop. Bon, tu veux encore dire quelque chose? Bah, c'était juste finir avec la touche Bane Blade. Donc, ouais, ça, ouais, c'est des parties. Des grosses parties. Bon. Alors, par contre. Je ne sais plus les points que ça vaut un Bane Blade. Je vais juste voir en deux spi. Bane Blade point. Cost. La shit. Alors. En plus, ça, c'est la 9ème édition. Attends, je veux dire 410 points. 410 points. Ouais. Ah non, ça va en vrai. Ça va en vrai. Mais après, je pense que c'est. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, genre. Dans le tabletop, en gros. Il est tellement lent en fait, il avance de quoi la vitesse, attends je cherche, ouais il avance de 3 pouces genre maximum, et genre en fait il est tellement lent que si t'as une escouade de Space Marines tu peux arriver à le descendre assez facilement en vrai. Ouais, bon voilà. Ouais, je pense qu'ils ont dû le nerf pas mal. Ouais bah, parce que ouais niveau lore accurate, ce que tu me racontes. Ouais, oui. Bah, moi, je pense qu'ils ont beaucoup baissé.
Je pense qu'ils ont beaucoup nerf parce que je pense que ça doit être impossible à jouer honnêtement contre. Mais après c'est tu vois horrible. Genre c'est comme les titans tu vois. Ouais, mais après tu vois genre ça c'est à cause du lore, tu ouais. vois. Parce ouais. que genre ils se sont dit oh regardez, on a une putain de machine, bon on va mettre plein d'armes dessus, ça va marcher. Mais du coup pour nerfer ça au niveau du lore, mec. Ouais. Genre tu vois genre encore un titan, tu dis genre juste pour que ce soit réglo, tu dis ça fait moins de dégâts pour pas que ce soit trop déséquilibré. Mais là t'as tellement d'armes. Genre les armes individuellement, elles sont puissantes mais ça va. Mais c'est juste que c'est un tas d'armes. Du coup Et puis la preuve, par exemple, mais par contre il y a des habilités de fou, genre Steel Behemoth, en gros, une fois qu'il genre il a fui, il a fait une retraite, pendant le même tour, il peut changer d'avis et faire une charge. voilà. Ah et ça c'est Chad. Voilà. Mais ouais, ça peut. Alors je sais pas si. En tout cas je vois pas le. Si ça doit avoir une énorme utilité. Mais je l'ai peut-être pas. Oui bon après je pense que c'est assez précis quand même comme utilité, genre c'est vraiment. Ouais c'est voilà. Très situationnel peut-être. Voilà. Bah d'ailleurs je vais parler d'un dernier véhicule. Vraiment tout dernier. Okay, je vais parler de la Valkyrie. Mmh. Peut-être tu veux nous dire des trucs par rapport au lore ou quoi. Je connais pas extrêmement je connais pas le lore de la Valkyrie, mais c'est très fun. Ça a l'air ok. Très fun. Moi non plus, je connais pas, je vais être très sincère. Bon, de toute façon, c'est toi le lore master. je te rajoute de la faute sur toi. Ok, alors mon lore master va. Hop, ça fonctionne 2 secondes. Bah écoute, je sais qu'il n'y a pas de lore en tout cas sur sa découverte. Ouais. Après son utilité, bah... Oh, il y a une magnifique photo. C'est utilisé en particulier par les Sion. Parce que du coup, ça va permettre vite de se déplacer. Et par les régiments aéroportés. Bah, en fait, c'est utilisé un peu partout. Hein, parce que ça fait office un peu. Oui, mais je dis pour les déploiements. Pour les déploiements. Ouais. Voilà. Mais je veux dire, genre, c'est un peu une unité. En vrai, dans une armée, c'est une bonne unité, je pense. Ouais. Bah, pour les déplacements, peu... c'est super, quoi. En fait, ça fait tout. Genre, ouais. Déjà, ça peut déplacer des unités. Ça a une bonne puissance de frappe. Hein, y a... Moi par exemple j'ai un canon laser et on peut mettre encore des missiles sur le côté et tout. Ah ouais. Donc c'est assez bien. En plus ça peut rester en mode stationnaire où en gros ça tourne autour d'un point et du coup tu peux tirer. Donc ouais c'est... Ah ouais. En vrai niveau lore et niveau tabletop, quelque chose qui peut se mettre partout je pense. Oui. Ensuite. Donc voilà, moi j'ai terminé pour niveau tabletop. Passons à la partie même. Passons à la partie même, celle que j'attends le plus. Oh là là. Quelle erreur, terrible erreur. On va voir ce que tu me réserves. On va commencer tranquille. Oh, c'est horrible. Alors, fais gaffe parce qu'il y a ma pelle qui cache un peu. Oui. Ouais, voilà. Oh là là. Ta pelle. Okay. Alors vite nous devons attaquer. On peut pas laisser les Space Marines prendre tout le crédit cette fois-ci. Le gros Ben Blade derrière. Pendant tu vois le petit bolter qu'il a sur son bras droit. Oui. C'est pas les... Alors je sais que les Grey Knights ils ont les mêmes bolters sur le bras. Voilà. Oui. Oh oui, effectivement. Mais là, je pense que c'est une version un peu plus miniature, quand même. Ouais, ouais. Et ton bras veut pas partir avec quand il tient. Ouais, voilà. Ok. Si la fin. Ça... Oui. Alors, celui-ci, il me plaît. si la force brute ne marche pas, c'est que t'es pas en train d'en utiliser assez. Fix baïonnette et charge. Ok. Continue, on a quoi encore un autre, même. Okay. Alors, c'est pas des armes laser qu'il a là. Ouais. Le mec derrière, c'était une arme laser, mais pas de voix. Mmh. Alors, le commissaire. Commissaire, quand quelque Alors, chose. Ah, tu veux le faire ou Comme tu veux. Ok, bah j'y vais et puis tu fais le prochain. Vas-y. Commissaire, quand quelque chose devant toi est effrayant, mais quelque chose d'encore plus effrayant derrière. Frère, il est dépressif. D'ailleurs, pourquoi ils ont tous des gants énergétiques, les commissaires? C'est pour te frapper plus fort. Ouais. C'est pour frapper les traits plus fort. Ah, après, c'est toujours. Je trouve que c'est plus Chad, une épée tronçonneuse.
Moi, oui. À chaque fois, je mets une épée tronçonneuse. Oui, oui. Dès que je peux, j'en mets une. Hop, prochain même. Ok. Alors, la garde impériale. Votre job. Maybe tankless, comment tu peux traduire ça? Peut-être. Comment... Ah ouais, c'est dur à traduire. Enfin, qu'on te remercie pas. Ouais, ton job qu'on ne remercie pas. Ouais. C'est que si tu donnes. Si tu donnes tout. Ouais. Ouais, si tu donnes tout d'un coup. Enfin. Ouais, non, si tu donnes tout. Peut-être que tu auras juste assez de temps pour que les Astartes prennent tout le crédit. Ben voilà, ben, c'est exactement ça. Bah ben, d'ailleurs, c'était dans le trailer du jeu Space Marine 2. Ah oui, oui, oui. Oh. Au début, tu vois des gardes impériaux qui se battent, mais comme ils peuvent contre des tyrannides et tout, genre vraiment. Il y a la fin. Il reste 5 tyrannides, tu vois 3 Astartes qui arrivent, et c'est, ils sont présentés comme des Big Chad et tout. Vraiment, ils prennent tout le crédit et tout. Enfin, exactement. D'ailleurs, magnifique trailer. Vraiment. Ouais, d'ailleurs. L'animation. Oh ouais, elle est folle. Oh, vraiment, ça fait très longtemps que j'ai pas vu une animation aussi belle. Ouais. Alors, bienvenue à la garde impériale. Service. Aux familles garanties. Alors, nous avons 3 mètres de manger par jour. En gros, parce que genre, y a, genre, les mecs, ils mettent 3 mètres de mecs devant toi. Vu que c'est de la char à canon, tu vois. Transport gratuit vers de nouveaux mondes exotiques. Exotique. Promotion automatique après 9h. Ouais, des bah conditions oui, sont appliquées. oh putain, guidance spirituelle par le prêtre du régiment, le commissaire quoi. C'est écrit quoi là en petit? Confidentialité non garantie. Service à l'empereur, coup de funérailles pris en charge. Pris en charge, ouais. Petit temps de service au front. Le temps de service moyen ne dure que 8,5 heures. Et vous apprenez sur le tas pendant que vous êtes en train de faire. Alors, testimonial. Alors, ouais, alors, un peu. Voilà. Direct dans l'action, vu sans entraînement basique. Mauvais entraînement basique. C'est pour ça que j'ai choisi la garde impériale. Et je suis dans la garde impériale que depuis 3 mois, depuis 3 semaines, et je suis déjà sergent. Ah, sergent. Ah, mais c'était la live. Je suis encore en vie. En plus, c'est un cadien, genre. Alors ouais. Ça. Februs Cassius, c'est un bon leader, honnête, et je fais confiance à toutes ses décisions implicitement. Alors, supplies, logistique, bon. Tous les équipements de remplacement vont être donnés après 10 heures après 10 heures de service sur le terrain. Alors que juste aussi, c'est écrit que vous vivez au maximum 8,5 heures. Voilà. La nourriture est donnée 3 fois par jour, mais seulement après l'engagement. Ouais, t'as même pas le temps de bouffer pour certains, avec que tu mets déjà sur le bataille. Et les sacs à corps ne seront que donnés au personnel de rang de lieutenant ou supérieur. Et puis à la fin, t'as un petit mot encore, c'est... Les membres du commissariat sont approuvés pour donner la justice immédiate de l'empereur la justice immédiate à leur volonté sur le terrain. Voilà. Salut l'empereur. Voilà. Bon, maintenant vous devez rejoindre la garde impériale. Voilà. Qu'est-ce qui vous en empêche? Alors ouais, petite parenthèse que je voulais faire, excuse-moi de t'avoir oui, coupé. Pas de soucis. Mais ah dommage. Parce que l'équipement d'un garde impérial,
vaut plus cher que la vie du garde impérial lui-même. Ouais. Hein, parce que bon, c'est vrai que pour la plupart, pour la grande majorité, ils meurent lors de leur première bataille. Hein. Bataille. Bataille, ouais. Donc voilà. Bah, après, franchement, c'est pas mal quand même comme technique. T'envoies plein de mecs. Au pire, tu dis, bon, s'il y a bien un tir qui va finir par passer. Puis voilà. Ouais, voilà. Bon, après, c'est juste dommage. Je refais encore un point tabletop, mais je pense pas que les armes dans le lore soient aussi nulles que dans le tabletop. Oui. Mais je pense que c'est un souci d'équilibrage, parce que vu qu'il y a plein de gardes impériaux, ils vont pas faire. Genre, tu sais, si elles font un peu de dégâts, bah, sinon ce serait trop cheat, tu vois. Ouais, exactement. Mais vraiment, genre, oh, alors ça, j'aime beaucoup. Alors là, on voit un. Alors, bon, derrière, on voit des soldats de Krieg, de Death Corp. Mais est-ce que lui, c'est un soldat de Valhalla? Oui, exactement. Ok. Putain, elle est magnifique, hein, ce fanart. Hein, il est magnifique, du coup. Oui. Bah, j'adore ce fanart, il est incroyable, quoi. Ouais. Vraiment, Ah putain, vraiment, je suis abasourdi pour ce fanart, mec. Bon, voilà. Ouais, bon. Bon, je pense qu'on a terminé sur... Ouais, on a tout dit. Sur un père, enfin, on a tout dit. Voilà, sur le niveau lore, c'était un petit épisode. Parce que, en fait, si on s'attarde sur les détails, vu que c'est tellement grand comme institution, l'Astra Militarum, bah, on en a pour des heures, donc vraiment, j'ai voulu faire un truc pour comprendre rapidement certains trucs et tout. Mm-hmm. Donc voilà, si vous voulez faire vos recherches, on vous a proposé quelques livres sur certains trucs. Non, vraiment, il y a plein de livres. Il y en a trop, même. Ouais. D'ailleurs, toi, t'en avais fait combien Trop pour ma santé mentale. Bon bah, je pense qu'on peut passer aux remerciements. Tu les fais. Ok, bah alors, on vous remercie pour tout, pour votre présence sur le chat, votre présence sur dans les commentaires de notre chaîne YouTube, pour nos vues, pour les likes, vraiment, pour les abonnés aussi. Nous, on s'en attarde pas trop parce que 184. Voilà. Je t'ai entendu un peu bugger, je sais pas si c'est pareil. 184, oui, je t'ai dit ça tout doucement en mode. Ah, ok. Donc, nous, on vous le redit, on s'attarde pas beaucoup, mais puisque c'est pas notre priorité, nous, tout ce qu'on veut, c'est partager notre passion. Et c'est ce qu'on fait, et on est heureux de faire ça. Et que dire de plus? Bah, ouais, bah, surtout, merci, c'est vraiment. Je sais pas comment le dire sans passer pour un. Un kick. Oui, ça nous fait. J'ai un ton secours. Ouais, voilà. Ça nous fait extrêmement plaisir. Que ce soit les messages, les likes, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est extrêmement beau ce qu'il dit. C'est vrai. Ça nous fait extrêmement plaisir, les abonnés, tout ça. On fait pas ça pour les vues ni les abonnés, mais ça fait plaisir voilà, d'avoir des likes, d'avoir des commentaires surtout. Voilà, voir que notre passion plaît à des gens, c'est le plus important déjà. Alors, ouais, vas-y. Sachez que nous, on fait 300 vues, c'est incroyable pour nous. Genre, c'est en mode, wow, quoi. Genre, à chaque fois qu'on sort un épisode et qu'on fait des vues, genre, on se le dit direct et tout, on est trop content et tout. Voilà. Et même on fait plus de 150 vues, pour moi, c'est une réussite totale. Ouais, clairement, genre. Et ça doit être comme ça. Après, Warhammer 40 000 français, c'est. Enfin, les plus gros youtubeurs Warhammer 40 000, ils sont à 200, pas plus, 200k d'abonnés. C'est énorme, hein. Oui, ce qui est énorme. Pour moi, c'est énorme, honnêtement. Mais je sais que certaines personnes ont perdu un peu le sens des notions. Enfin, le sens des notions, ça ne veut rien dire. Le sens du nombre d'abonnés, le sens des nombres. Et pour eux, genre 200 000 abonnés, c'est en mode easy, quoi. 200 000, quoi. Genre, avant qu'on commence notre chaîne Twitch et YouTube, moi, je me suis dit, ouais, genre. C'est un petit youtubeur et tout qui vient presque de commencer, tu vois. Ah, qu'il a 30 000 abonnés. Voilà, tu vois. Et après, maintenant, je m'en rends compte réellement ce que c'est. Et quand tu te rends compte que, bah, par exemple, Squeezie, il a 16 millions d'abonnés pour le plus grand youtubeur français. Ou quand PewDiePie. Alors, pour moi, PewDiePie, c'est le plus grand youtubeur français parce qu'il fait du contenu de youtubeur.
pas comme par exemple, je sais pas si T-Series est toujours au-dessus. Je parle dans YouTube. Ok, ouais. Mais, par exemple, T-Series, il fait juste, c'est juste de la musique ou quoi. Oui, oui. Voilà. C'est, pour moi, c'est pas du contenu de YouTuber. Voilà, oui, exactement. Tu ripostes ou quoi. Donc pour moi, le plus grand, enfin, si c'est toujours lui, puisque voilà, je regarde pas trop. À part pour les trucs Warhammer, je regarde pas trop le YouTube américain, enfin anglophone. Mm-hmm. Et voilà, pour moi, ça reste le plus grand. Mais genre, c'est vraiment, il a plus de 100 millions d'abonnés. Mais c'est... déjà, c'est plus que la population française. Déjà, ouais. Donc rien. Bien que quand on met ça dans notre esprit, c'est impensable, c'est inimaginable. Oh. Mmh. Et pour moi aussi. Je l'ai dit. Oui, bah, surtout pour nous aussi. Ouais. Alors, je voulais juste... peut-être, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon, vas-y, je te laisse. Alors, bon... Comme je l'ai dit plus tôt, moi j'ai commencé AOS, je l'avais dit dans une autre vidéo et tout. Et du coup, c'est possible que très rarement, parce que notre chaîne est plutôt reste plutôt dans le 40K, parce qu'on kiffe 40K, mais moi je commence un peu à m'intéresser au lore de AOS, j'ai même une armée à 2000 points, j'allais dire une petite armée, mais non, j'ai une armée à 2000 points de Stormcast, donc c'est pas une petite armée. Donc voilà, peut-être que un jour on fera une vidéo sur... le lore, enfin ouais. Sur un sujet du lore AOS. Voilà, oui, c'est possible. Faudra que je me plonge dedans aussi. Voilà, bah j'espère que ça te plaira autant que moi, parce que vraiment, en tout cas, je suis à fond dedans en ce moment. Mm-hmm. Alors, donc pour moi, j'ai terminé. Oui, moi aussi j'ai terminé. Je vous souhaite une bonne soirée, merci. Merci d'avoir parlé d'Astra Militarum, ça m'a fait plaisir. Et bah écoute, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un sujet venimeux, voilà. Chez moi. Et puis, bonne soirée, bonne journée pour ceux qui nous regardent, la rediffusion. Et voilà. Et je voulais juste vous remercier de nous avoir écoutés. Voilà. Merci si vous êtes encore là. Vous avez fait 53 minutes à peu près. Merci à vous. Voilà. Au revoir. Au revoir. À la prochaine épisode.